Bonjour à toi qui nous suis régulièrement. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'avoir ta compagnie pour ce nouveau culte espoir. Comme d'habitude, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Christelle et Marilyn. Salut les filles. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien, ouais, merci. Hein, très bien. Bon, toi, moyennement bien. Hein, moyennement, mais ça va. Je suis quand même contente que tu sois là merci, aussi. Pareil. Aujourd'hui, nous allons parler de bénédiction. Écouter Dieu pour être une bénédiction. Et c'est toi, Erika, notre invitée spéciale, qui nous a proposé ce thème pour l'occulte d'aujourd'hui. Bonjour, Erika. Bonjour, merci d'être spéciale. Oh, c'est trop bien, on va l'inviter beaucoup plus souvent. Alors, pour te présenter à nos auditeurs, Erika, je peux dire que, tout d'abord, tu t'appelles Erika. Ton nom de famille, je vais te laisser le prononcer toi-même. Dimvey. Voilà. Et tu es auteur, compositeur, enseignante, interprète et aussi conductrice de louanges. Oui. Tu es mariée et tu as des enfants, mais il me semble que tu aimes bien te présenter en disant que tu es une fille du royaume. Ah oui, elle a bien retenu. Alors, Eric... Et on est quatre autour de la table, non? Waouh, wow, ah, ça nous remonte, hein, ça nous donne envie. Erika, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de ce que tu vas nous dire tout à l'heure sur la bénédiction? En gros, il y a des façons de faire ou des façons d'être qui vont être pour les gens qui nous entourent une bénédiction ou pas. Ok. Alors aujourd'hui, tu as choisi de nous apporter un message encourageant et positif. Mmh. Et Dieu souhaite que nous soyons de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Mmh. Il nous suffit d'écouter sa voix et de lui obéir. Mmh. Alors, chers auditeurs, reste avec nous. Et je suis sûre que cette heure que nous allons passer ensemble te sera très bénéfique. Ça sera bénéfique pour toi et pour chacune de nous ici. Ah oui. Et nous voilà dans la chronique « Dieu dans ma semaine, être une bénédiction pour quelqu'un ». Christelle, qu'est-ce que ça veut dire d'être une bénédiction? Alors, bonne question Mildred, car on en parle, mais sait-on vraiment ce que veut dire ce mot? Alors, en prenant le dictionnaire, on découvre que le mot « bénédiction », du latin, attention, « bénédictio », je ne sais pas si je l'ai bien dit, de « béné » bien et « dicere » dire, okay, est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Le sens étymologique du mot, le fait de dire du bien, indique déjà deux sens qui lui sont habituellement connus. Donc, synonyme de louange, premier sens, et synonyme d'un bienfait ou d'une grâce. Mm-hmm. Voilà. Et puis, on peut aussi rajouter que dans la Bible, le mot bénédiction est utilisé 67 fois, 53 fois dans la Bible hébraïque, dite Ancien Testament par les chrétiens, et 14 fois dans le Nouveau Testament. Ah ainsi, ouais, donc c'est un mot bien important. Bien important, hein. Effectivement. Ainsi, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, bénissent leurs fils afin de leur transmettre la bénédiction qu'ils ont eux-mêmes reçue de Dieu. Ok. Ouais. Et toi, Christelle, est-ce que tu as déjà été une bénédiction pour quelqu'un? Alors, j'espère, il faudra demander à la personne en question, parce que j'ai une histoire en tête. Je n'ai pas la prétention de l'affirmer, mais j'espère vraiment avoir pu être une bénédiction pour cette personne grâce à l'aide de Dieu. Et donc, en réfléchissant au thème de cette semaine, de ce culte, je me suis rappelée d'une journée vécue il y a quelques mois et que j'aimerais vous partager maintenant à nos auditeurs et auditrices. Alors, je suis sûre, chères auditrices, chers auditeurs, que tout comme moi, vous avez une vie bien remplie. Voilà. Ouais, ça nous arrive. Semaine comme week-end. Et donc, par période, un emploi du temps, un peu trop chargé. En tout cas, moi, c'est mon cas, malheureusement, du travail. Donc voilà quel était mon quotidien quand par chance, je réalise, le week-end approchant, que mon dimanche est complètement libre. Ah, incroyable. Ça fait souffler. Je me dis, enfin un moment de break, une journée au calme, à la maison pour me reposer, recharger mes batteries, arrêter de courir partout, de jongler entre le travail, les activités, les engagements d'hiver, etc. Je pense que ça vous parle. Et ce dimanche, je me dis, ouais, ça sera grasse matinée, et puis pour la suite du programme, je verrai bien. Mais une chose est sûre, je reste chez moi. Tranquille. Voilà, c'est décidé. Je ne bouge plus. Enfin, vous vous doutez bien que le Seigneur avait d'autres plans pour occuper ma journée. Donc, fin de matinée, j'ai quand même pu faire ma grasse mat. Merci Seigneur. Mon téléphone sonne et à l'autre bout, j'entends la voix d'une très bonne amie en larmes qui tente de m'expliquer ce qui lui arrive.
Donc à ce moment, je ne pense plus du tout à mon programme détente de la journée et je réponds à cet appel, à ce besoin d'aide ou du moins de soutien d'une personne de mon entourage en difficulté et je fonce chez cette amie. Cette impulsion de sauter de mon canapé pour aller aider une proche, moi je la dois à Dieu. Je sais pas, moi, pour moi c'est un appel. Je peux pas dire que j'ai déjà entendu la voix de Dieu en moi, je souhaite vivre l'expérience, voilà. Mais j'ai eu plusieurs fois des impulsions comme ça de me lever et d'agir. Et tu as mis tout ton projet de côté. Voilà, j'ai plus réfléchi, j'ai répondu à l'appel qui moi, pour moi, était un appel de Dieu et j'ai obéi à son appel. Et de retour chez moi en soirée, eh ben, je me suis sentie super bien. Je me suis dit, ma journée a été bénie en fait, car j'ai pu aider à ma manière une personne chère à mon cœur, en lui donnant du temps, de l'écoute, une présence à ses côtés. Je pense qu'au final, ma journée a été beaucoup mieux investie, si j'ose dire, en aidant cette personne qu'en restant chez moi. Et je n'ai jamais regretté par la suite tous les moments où j'ai donné de mon temps pour quelqu'un qui en avait plus besoin que moi. Voilà, donc j'ai envie de dire merci Seigneur de nous permettre voilà, d'être des bénédictions pour les autres dans notre quotidien par une action, une parole qui fait du bien, qui encourage, qui redonne le sourire ou même un silence, des fois une simple présence. Voilà. Et est-ce qu'à la fin de la journée, tu te sentais toujours fatiguée ? Non. Non, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que justement, le fait d'avoir pu agir, d'être là pour quelqu'un d'autre, eh ben, ça redonne de l'énergie et ça redonne la peps, le peps. Ouais. J'ai rechargé mes batteries autrement. Merci. Je te remercie, Christelle, pour ce partage voilà, qui nous invite à rester attentifs, puisqu'on peut être une bénédiction pour quelqu'un à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Et Marilyn, est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible qui nous fait rêver et qui nous donne de bonnes idées à propos de ce thème? Ben moi, j'ai envie de vous partager ce matin une promesse qui se trouve dans le livre des Proverbes et qui parle du bonheur. C'est Proverbe 16 au verset 20, il dit « Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Ah, ça fait rêver. C'est pas mal, hein? Et cette promesse, eh ben, elle m'encourage à ne pas négliger les conseils, pas toujours évident d'ailleurs. Ils peuvent venir d'une personne de confiance autour de moi ou de ce qu'on peut recevoir de Dieu par la lecture de la Bible ou d'autres moyens. Et ce texte, il m'explique aussi que lorsqu'on se confie en l'Éternel, on est heureux. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Il m'invite à permettre à la joie d'être présente en regardant au-delà de mes circonstances. Par exemple, lorsque je m'appuie sur Dieu ou que j'agis selon ce qu'il peut me dire. Eh bien, même si les circonstances ne sont pas évidentes, je peux être dans la joie. Et ce bonheur est une conséquence que je peux demander aussi et dont je peux parler à Dieu s'il y a besoin. Parce que quand je m'appuie sur Dieu, peut-être je ne constate pas que je suis dans la joie. Mais comme c'est marqué, ben je peux lui demander. Alors, on va chanter un petit peu, nous découvrir ta sélection pour ce culte. Eh bien oui, alors on va parler de bénédiction. Et d'une bénédiction, on a un petit peu commencé, hein, qui vient par l'obéissance à la voix de Dieu. Alors avec ce mot obéissance, j'aime bien associer celui de la confiance, parce que voilà, ça va ensemble pour moi. Et dans ce premier chant, eh bien, je propose qu'on puisse se rappeler de la bienveillance de Dieu, qui est celle qu'il a pour ses enfants et chacune de ses créatures. Peut-être que ça peut être difficile à voir pour toi, auditeur, en ce moment, la bienveillance de Dieu, ou que tu te retrouves dans une situation étrange. Eh bien, que ce chant puisse rallumer et renouveler la confiance dans ton cœur. Confiance en un Dieu bienveillant, un rocher, une source d'espoir qui reste stable dans les moments sombres ou les moments de joie. Un Dieu en qui on peut avoir pleine confiance. Merci pour ce choix. J'ai beaucoup apprécié. Et je voulais aussi profiter de la présence d'Erika ici avec nous pour parler d'un chant très spécial à ton cœur, Erika. Oui. Donc, comme cela a déjà été dit, tu es auteur, compositeur, interprète et aussi conductrice de louanges. Oui. Alors,
parlons du chant « Enfant désiré du Père ». Alors oui, je vais vous reparler de ce chant parce qu'en fait, il y a quelques temps, enfin quelques années, je pense. C'est vrai. J'ai déjà parlé de ce chant dans un des cultes espoir. Mais aujourd'hui, je vais passer assez vite sur l'histoire de ce chant. Mais pour vous dire ce qui est arrivé après, mm-hmm. en fait. Ce chant, il m'a été vraiment, on va dire, inspiré par Dieu. Pour moi, j'en suis convaincue. J'étais dans un temps de prière, de recherche, d'entente de la voix de Dieu. Et Dieu a vraiment mis sur mon cœur la pensée très forte à propos de quelqu'un. Et cette personne, ensuite, il m'a dit qu'il avait un message à lui donner. Et le message, c'était qu'il était désiré par lui, alors que c'était un enfant qui n'avait pas vraiment été désiré par ses parents. Donc c'est toi, quelque chose, tu as reçu ce message. Moi, j'ai reçu ce message qu'il fallait que je lui dise que Dieu le désirait et l'avait désiré depuis toujours, en fait, malgré la situation familiale dans laquelle il était. Sachant que je ne connaissais pas du tout la vie de cette personne. Hein, je n'avais pas du tout d'idée. Tu ne connaissais pas du tout cette personne. Je connaissais cette personne, c'était un ami, mais je n'avais aucune idée de son histoire familiale. De tout son vécu. Ouais, voilà, d'accord. Tout à fait. Et donc, quand j'ai reçu ça, j'étais un peu interpellée. Et en fait, je sais que cette personne aime beaucoup la musique, donc je me suis mise à écrire une chanson. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que je l'ai chantée. Mais cette chanson, en fait, elle a touché, oui, cette personne, parce que j'ai osé aller la voir et puis lui dire. Au départ, la personne, elle m'a très mal pris. Et c'est après, vrai. Il a fallu que je discute un petit moment argumentes. Et qu'il laisse passer une nuit avant de réagir par rapport à cette chanson. Et en fait, cette chanson, je me suis aperçue que elle touche beaucoup de gens. Par exemple, il y a une jeune fille chère à mon cœur qui est aussi dans une situation familiale un peu compliquée. Et c'est devenu sa sonnerie de réveil le matin. Donc je me dis, tous les matins, ouais. Dieu lui dit qu'elle est désirée par son papa. Un jour, j'étais en train de travailler avec quelqu'un sur le plan musical et puis je vois la personne qui se met à pleurer. Et là encore, ça a été le sujet d'un échange. On a pu prier ensemble par rapport à sa situation familiale. Et personnellement, même quand j'ai enregistré cette chanson, mais je vous assure, à la fin de cette chanson, je me suis assise par terre dans le studio et j'étais en larmes complètes parce que j'ai vraiment reçu comme une vague, un raz-de-marée d'amour de mon papa céleste. Et franchement, Donc toi aussi, tu as bénéficié de voilà, cette... alors que ça faisait déjà plusieurs années que je la chantais, cette chanson. Donc il y a vraiment, vous voyez, je pense qu'il y avait un pouvoir. J'ai entendu ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai accepté ce que Dieu m'a demandé de faire et je l'ai fait et ça a été une bénédiction. Mais il y a un petit truc que je raconte moi souvent. C'est que le même jour... j'ai reçu un autre nom dans mon cœur, d'une autre personne de mon entourage. Et là, Dieu me demandait quelque chose de tout simple. Va prier avec lui. Oui, ça, c'est beaucoup plus simple. C'est effectivement. Plus simple. Ouais. Sauf qu'il me dit, parce qu'il a un problème cardiaque. Et là, en fait, moi, je n'ai pas osé aller parler avec lui. Et puis, j'avais oublié cette histoire. Hein. Moi, je l'avais mise de côté. Ça me dérangeait un peu, j'avais pas trop envie. Tu avais déjà répondu à un appel. Alors, voilà, à exactement. La fois. Ça, hein. J'ai déjà fait une fois, c'est bon. Là. On va attendre, on va stand-by le deuxième. Mais 6 mois plus tard, je suis en vacances en Normandie. Et puis là, j'ai mon mari qui m'appelle et qui me dit Erika, on vient d'emmener un tel à l'hôpital. Je dis oh, il a un problème au cœur. Et là, il me dit... Comment tu le sais ? Comment tu le sais ? Et là, moi, je me suis effondrée. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Pardon parce que... Je n'ai pas fait ce que non, tu as demandé. Mais non seulement je t'ai demandé de me parler, tu m'as parlé, d'accord ? J'ai reçu des choses et je ne t'ai pas fait confiance. Je n'ai pas fait confiance à ce que j'ai entendu. Et alors, je suis sûre que cet homme... Dieu prend soin de lui et donc Dieu n'a pas besoin de moi pour qu'il soit guéri ou pour qu'il soit... Enfin, voilà. Sauf que
peut-être, ben, on ne sait pas, peut-être qu'il y aurait eu ce miracle de la guérison, peut-être qu'il ne serait pas allé à l'hôpital. Mais surtout, pour moi, ça a été une leçon. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Donc après, je suis allée voir cette personne. Et je lui ai demandé pardon aussi. Elle m'a dit, mais Rika, c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Elle dit, si, non. C'est... En effet, ce qui t'arrive n'est pas de ma faute. Et puis, t'es vivant, puis tout va bien. Et je suis contente de te voir. Et il va toujours bien. Et voilà. Mais là où moi, je dois te demander pardon, bah, c'est que j'ai juste... Tu n'as pas accompli la mission. J'ai juste... voilà, Dieu m'a mis une conviction sur mon cœur et je ne suis pas allée... jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors que, voilà, pourquoi ai-je fait ce choix? Je pense parce que ça me parlait plus, c'était plus simple. Et que, voilà, parfois la timidité ou quoi, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, ouais, c'est chouette d'avoir cette bénédiction et de pouvoir... profiter déjà, être bénéficiaire et ensuite faire aussi en sorte que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Je pense que toi, cher auditeur, tu dois être un peu curieux de connaître ce chant. Alors, allez, on va l'écouter. Nous aussi. T'as aussi J'ai déjà entendu, mais je m'imagine de l'entendre à nouveau.
Et merci à toi, Erika, de nous avoir transmis tous ces mots magnifiques qui nous rassurent de l'amour de Dieu. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. Eh bien, en tout cas, déjà, merci de m'avoir invitée. Merci pour ce privilège d'être là, pour ce privilège d'être avec toi, auditeur, et puis merci de m'accueillir chez toi. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui a un livre dans la première partie de la Bible, donc dans l'Ancien Testament. Ce livre est tout petit, 4 chapitres, mais c'est un personnage qui est assez connu parce qu'il a donné lieu à plein de représentations, des sculptures, des peintures, on voit souvent dans les églises et tout ça. Et puis, c'est une histoire de gros poissons. Jonas. Voilà. Joli. Donc oui, bien sûr, je pense que toi, auditeur, tu avais aussi deviné. Sûrement. On va parler de Jonas. Et donc, de ce Jonas qui, un jour, reçoit un appel à aller dire dans une ville, dans 40 jours, vous êtes tous détruits, vous êtes tous morts, exterminés, la ville ne sera plus là. Et en fait, ce cher Jonas, quand il entend cet appel de Dieu qui lui demande d'aller dire ça dans cette ville, alors il décide de partir à l'opposé, le plus loin possible. Il va dans un port, il monte dans un bateau, il paye sa place. Et voilà qu'il embarque avec ses marins. Et là, la tempête se met à faire rage. La tempête se lève, le vent, le bateau est malmené dans tous les sens. Donc, tous les marins commencent à appeler leur dieu, à se tourner vers quelque chose au-dessus d'eux qui pourrait peut-être changer quelque chose. Ouais, sauver leur vie. Sauver leur vie, voilà, exactement. Ils vont aussi se débarrasser de tout ce qui est trop lourd sur le bateau. C'est la première chose qu'on fait quand on est en bateau et que ça ne va pas. Et ouais. On balance tout le chargement. Donc, voilà, ils font ça. Et puis, en fait, c'est la panique à bord. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas du tout paniqué. Non. C'est Jonas. Qu'est-ce qu'il fait? Jonas fait la sieste, exactement. Il est en train de dormir tranquillement au fond du bateau. Alors là, il y a le capitaine ni deux qui va le voir et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dors? Non mais appelle ton Dieu, fais comme tout le monde, quoi. Franchement, tu t'inquiètes pas du tout. Voilà, exactement. Et puis, à cette époque, y a des choses qui se faisaient un peu couramment. C'était de tirer au sort pour savoir d'où il a passé. D'où venait le problème. Qui est le coupable. Et on voit ça, donc les marins se disent, allez, on va tirer au sort pour savoir qui est le coupable. Et bien sûr, le sort tombe sur Jonas. Exactement. Le sort tombe sur Jonas. Et donc là, les marins s'approchent de lui, lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jonas commence à dire, mais qui es-tu, hein? Et alors Jonas dit, je suis un Hébreu, j'adore le Seigneur, enfin le Dieu créateur, celui qui a toutes choses entre ses mains. Alors là, les marins commencent à paniquer parce qu'il leur explique aussi que Dieu lui a demandé de faire quelque chose, mais que lui, il a décidé d'aller dans la direction opposée, quoi. Et là, les marins lui disent, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu fais une chose pareille? Si ton Dieu est si puissant, mais qu'est-ce que tu fais là avec nous sur ce bateau? Puis en fait, maintenant c'est à toi de trouver la solution pour nous sortir de là, quoi. Et Jonas leur demande de le jeter par-dessus bord. Là, les marins, ils sont pas tout à fait d'accord. Pas simple comme décision non plus. Hein. Pas simple comme décision, surtout qu'il vient de leur dire que c'est ce Dieu-là qui malmène la tempête qui provoque la tempête, qui malmène le bateau et qui fait qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Donc ils se disent, attendez, si je prends un homme et que je le jette, que je le tue, qu'est-ce qui va se passer? Et donc ils commencent à dire, Seigneur, aie pitié de nous. Et puis, ils essayent par leurs propres moyens aussi. Donc, ils décident de ramer encore plus fort et tout ça, mais rien n'y fait. Donc, au bout d'un moment, ils décident de prendre Jonas et de le jeter par-dessus bord. Je vais m'arrêter un petit moment là dans cette histoire. Parce que dans cette première partie, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Jonas s'enfuit, qu'il part
à l'opposé de là où Dieu l'appelle, alors qu'il se dit serviteur du Dieu créateur, il part et, eh ben, en fait, il va mettre tout un équipage dans une situation de danger. Tout à fait. Mmh. Ouais. Donc là, pour moi, Jonas apporte dans son entourage quelque chose de pas positif. Il apporte du malheur. Ouais. Alors là, carrément du malheur, mais voilà. Ses actes apportent quelque chose de négatif à son entourage. L'histoire s'arrête pas là. Heureusement. Ah. L'histoire s'arrête pas là parce que là, le Seigneur, le Dieu créateur, va envoyer un énorme poisson. Et c'est cette image qu'on a l'habitude de voir dans les églises et dans les sculptures, dans les livres pour enfants. Et dans ce poisson, bah là, Jonas va reconnaître qu'il a mal agi. Il va se mettre à prier. Et là, du coup, le poisson va recracher Jonas sur la terre ferme au bout de 3 jours quand même. Et là, Dieu va s'adresser à nouveau à Jonas. Et Dieu va lui dire « Tu te rappelles ? J'aimerais que tu ailles à Ninive et que tu ailles... T'as une mission quand même à accomplir. T'as une mission à accomplir. Mission pas facile, hein, faut avouer. Hein. Est-ce que vous c'est auriez sûr. Envie d'aller parcourir Genève ouais. et de on dire... On annonce la fin de la ville. Voilà, annoncer pendant toute la journée que dans 40 jours, la ville sera détruite. Ou la ville où toi, tu habites, cher auditeur. Hein? Est-ce ouais. que tu t'imagines dans ton village en train de dire 40 jours et vous ne serez plus là? Tout va... Voilà, parce que Dieu te le demande, bien sûr, hein, pas juste comme c'est ça. C'est pas que ça ta propre décision. C'est pas ouais. ta propre initiative. Mais imagine, est-ce que c'est... Enfin, c'est pas une décision facile à faire. Mais là, Jonas a compris. Jonas a compris et Jonas, lui, va y aller. Et il parcourt la ville pendant toute une journée en disant toujours la même chose. Un discours... ce qu'il est. Et là, les habitants de Ninive vont réagir. On nous dit, le texte il dit qu'ils réagissent aussitôt. Ça veut dire que même pas, ils n'ont pas réfléchi, quoi. Aussitôt, ils entendent ça, aussitôt. Ils se mettent à jeûner. Ils portent des habits de deuil, qui était une façon de montrer que, ben, qu'ils étaient tristes, qu'on est tristes d'avoir, voilà, exactement. Ils renoncent à leurs mauvaises actions, dit ouais. le texte, et ils renoncent à leur violence. Et on nous dit que même le roi va descendre de son trône, se couvrir de cendres, quitter son manteau royal, donc ce qui le caractérise, et va s'asseoir sur la cendre et va donner l'ordre que personne ne mange, que personne ne boive, même les animaux, en fait. Donc, ah, voilà. C'était radical, c'est quand même. C'est impressionnant, radical. Comme voilà. Comme réponse, et ouais. voilà, exactement. Mmh. Et là, le texte nous dit qu'en voyant leur réaction, Dieu renonce au châtiment qu'il avait prononcé. C'est-à-dire que Dieu décide de ne pas détruire cette ville. Mmh. Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans cette deuxième partie de l'histoire? Jonas, quand on répond à l'appel, on est en bénédiction, c'est le thème, c'est vraiment ça. Voilà, ouais. exactement. Malgré la difficulté de, exactement. De l'action. La difficulté ouais. de la mission, tout ouais. à fait. Et donc là, on se voit avec un Jonas qui devient une bénédiction et des milliers de personnes qui sont sauvées, en mm-hmm. fait. Hein. Ouais. Donc voilà. Et c'est juste fantastique. Enfin, moi, je ouais. trouve ça. C'est sûr. Ouais. Mais c'est impressionnant de voir qu'à un moment donné, il a été en malédiction et il a mis la vie d'autres personnes en danger. Mm-hmm. Et la fois d'après, il est en bénédiction et il sauve, je veux dire, grâce à son action, beaucoup de gens sont sauvés. Oui, ouais, par son obéissance à la voix exact. De Dieu, par son obéissance à ce que Dieu lui a demandé, mm-hmm. il devient un canal de la bénédiction de Dieu. Oui, mmh. tout à fait. Ça nous inspire. Mmh. Oui. Bah justement, alors moi, ma question, là, aujourd'hui, c'était comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu et être une bénédiction pour les personnes de ma famille, pour mes collègues, pour mon entourage, pour mes voisins?
Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas... Tu me disais, j'ai jamais entendu la voix de Dieu, tu vois, j'aimerais bien, mais, mais voilà. Mais est-ce qu'on entend toujours la voix de Dieu de la même façon? Non, je pense qu'il y a plusieurs manières, voilà, moi aussi. Ouais. Déjà, il y a une chose importante. C'est que la Bible, on l'appelle la parole de Dieu. Donc, la première façon de connaître la volonté de Dieu, c'est de se plonger dans sa Bible. Ça, c'est là. C'est vrai. C'est le manuel. C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Ensuite, la Bible nous dit aussi que nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons accueilli Dieu dans notre vie, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Le Saint-Esprit, on nous dit aussi qu'il habite en nous et que, du coup, la Bible va être éclairée par ce Saint-Esprit. Donc, il y a aussi ça. Et puis, ça peut être aussi en écoutant quelque chose à la radio, pourquoi pas, ou dans une église, ou en rencontrant une personne qui va nous dire une phrase. Et puis là, tout d'un coup, cette phrase, elle va avoir un goût qui est différent de ce qu'on reçoit d'habitude. Et il y a un texte très important pour moi qui est central dans la Bible. C'est celui de Jean 10, les versets 2 à 5. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte, les brebis écoutent sa voix. Il les appelle chacune par son nom, les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un inconnu. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Donc, en fait, si moi, je me place en tant que brebis, c'est-à-dire que j'accepte Jésus comme mon berger, la Bible me dit que je peux reconnaître sa voix. La Bible me dit que je peux entendre sa voix. Et donc, je pense qu'on doit apprendre à faire confiance au fait que si on est dans la bergerie, si on est dans la bonne bergerie, la voix que l'on entend, c'est celle de Dieu, c'est pas celle de l'eau, de l'ennemi. De l'ennemi ou de notre propre voix même, parce que c'est souvent ça. Oui. On se dit souvent, mais c'est moi, c'est pas Dieu. Et en fait, Dieu nous a promis que si on se place dans une position d'être à l'écoute, d'être à son écoute, comme Daniel qui allait trois fois par jour dans sa chambre, comme Samuel qui a dit « Seigneur, que veux-tu que je... Parle-moi, j'écoute !» Ou comme Marie, dans, vous savez, l'histoire de Marthe et Marie, qui s'est mise au pied de Jésus. Et Jésus dit clairement, c'est elle qui a choisi la bonne part, parce qu'elle s'est placée à mon écoute. Donc, plaçons-nous dans la bonne bergerie et plaçons-nous au bon endroit et nous entendrons la voix de Dieu. Et faisons confiance que c'est la sienne. Voilà. Merci. Merci Arika pour ce partage et cette réflexion qui va nous interpeller, je pense. Et pour poursuivre dans ce thème, eh bien, je vous propose
de discuter, de vous partager un film qui est sorti en 2014 et est réalisé par Harold Cronk. Vous avez peut-être deviné, je ne sais pas. On va voir, allez, continue. Dieu n'est pas mort. Et donc, il y en a plusieurs dans une série, c'est une série de plusieurs films, et je vous propose de parler du premier. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de devoir défendre votre foi dans le cadre de vos études, face à un ou deux collègues ou à vos professeurs, parce que vous n'étiez pas d'accord avec eux, ou mis sur la touche. Ouais. On dirait que c'est déjà arrivé à certains. Et en tout cas, c'est ce que propose d'aborder ce film. Un professeur de philosophie établit les bases de son cours à la première période. Il demande à ses élèves de valider avec lui un consensus « Dieu est mort ». Mais Josh, qui croit que Dieu est bien vivant, bah, s'oppose à écrire que Dieu est mort, au risque de ne pas valider son cours. Ce à quoi le professeur répond « Si tu refuses d'admettre que Dieu est mort, eh bien, prouve-moi le contraire. » Et ce sera la classe qui sera le juge. Un défi d'envergure. Grand défi. Ouais. Et qui laisse et qui permet d'aborder différents aspects de la foi, du partage de sa foi. Et donc, ben, il y a plein de choses à découvrir. Comment est-ce que sa famille, sa petite amie, ses amis vont prendre ce défi? Qu'est-ce qui va le motiver? Quel est l'impact de ce qu'il va faire par rapport à ben, ses études, à son entourage? Et puis surtout, comment est-ce qu'il va arriver à partager sa conviction face à un auditoire d'étudiants et à un professeur profondément athée? Eh bien, il va falloir regarder. Ah bah, avec plaisir, on va regarder. Et du coup, on a parlé pendant ce culte d'être une bénédiction. À travers de l'histoire de Josh, eh bien, on peut voir toutes ces histoires d'autres étudiants qui ont été confrontés à de la discrimination en raison de leur foi. Le film est en effet basé sur des faits réels et on voit une longue liste d'étudiants, de noms d'étudiants qui défilent à la fin. Et ces étudiants, tout comme nous, on n'a pas toujours l'occasion de voir, comme Jonas, dont nous a parlé Erika, l'impact qu'ont nos choix ou nos prises de position par rapport aux gens autour de nous. Alors ce film nous propose une façon de certaines bénédictions qu'on peut avoir quand on a obéi à Dieu, quand on prend position. C'est ce que vous pouvez découvrir. Alors, je vous propose de regarder ce film en famille pour être boosté dans vos positions, dans votre foi en Dieu, parce qu'il n'est pas mort. Et voilà, après cette belle idée de film que nous allons sûrement regarder, vous êtes d'accord avec oui. moi? On passe à la chronique « Questions et vérités ». Je t'explique, Erika. C'est maintenant où nous faisons mieux connaissance. D'accord. Mieux connaissance avec nos invités et que souvent, ils ont très peur. Est-ce que c'est ton cas? C'est quoi, tes questions? Ah, attention! Non. Alors voilà, nous allons te poser quelques questions et tu les répondras tout simplement en quelques mots. Donc, nous savons que tu as déjà beaucoup travaillé dans la musique, auteur, compositeur, interprète, conductrice de louanges et tout ça. Donc, tu baignes dans la musique. Est-ce que par hasard, tu aurais un chant préféré? Alors ça, c'est une question vraiment trop compliquée. Piège, hein? Trop compliquée parce qu'un chant préféré... C'est dur de choisir. Ça dépend du moment, ça dépend. Mais alors, s'il y a... Je vais vous en donner deux. C'est mon père. On accepte, je sais pas. Parce que je vais vous en donner un qui s'appelle Little Things de Gunger, okay. qui est en anglais, qui parle du fait que Dieu, avec des choses, fait toutes choses nouvelles, en fait. Ah, c'est... Et puis le deuxième dont je... Ça va être un chant que j'ai beaucoup de plaisir à chanter depuis un certain nombre d'années. Donc, je me suis dit, bon, c'est une valeur sûre. C'est lequel? C'est « Je chanterai gloire » de Matt Norman. Ah oui, il est superbe aussi, là. Très fan. T'as bien choisi. Je l'écoute souvent aussi. Ouais, voilà. Il est vraiment beau. Ouais. Et moi, j'aime particulièrement la version acoustique où ils sont juste tous les deux avec sa femme. Dans une église, non? Non, c'est pas une église. C'est pas dans une église. Ah, il me semblait que c'était dans une église. Alors, c'est moi qui l'ai imaginé. Ah, c'est un beau chant. Oui, très belle. Ouais. Un beau chant. Et quel est le verset de la Bible qui t'accompagne, alors? Alors, bon, il y en a beaucoup, mais un verset qui me rebooste souvent... C'est dans le livre des Chroniques, c'est dans l'histoire de Josaphat.
c'est le fait de dire ne craignez rien, n'ayez pas peur, parce que je trouve que la peur, c'est souvent quelque chose qui nous bloque. Mmh. Alors là, ils disent de cette armée nombreuse, mais pour moi, ça peut être de nos circonstances, de nos, voilà, de tout ce qui nous arrive. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais dépend de moi, et c'est Dieu qui parle. Amen. Voilà. Et alors, tu nous as parlé du chant Enfant désiré du Père, qui a été et qui est toujours une bénédiction pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a une bénédiction que tu as reçue dans ta vie et que tu aimerais partager avec nous? Une bénédiction que j'ai reçue. Une autre bénédiction. Bah, écoutez, je vais dire que la plus belle bénédiction, c'est d'avoir reçu cette confiance en Dieu depuis très longtemps. Et le fait de... mon parcours de vie n'a pas toujours été très facile. Et je n'ai jamais pensé que Dieu n'était pas avec moi. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des bénédictions, parce que du coup, c'est ce qui m'a tenue debout, en fait. Ce qui m'a permis d'avancer. Et c'est ce qui me permet encore aujourd'hui de grandir. Parce que tu sais en qui tu crois. Exactement. Et cette foi, c'est un cadeau. Bah écoute, que cette foi puisse t'accompagner. Et je te remercie de t'être prêtée au jeu, d'avoir répondu à nos quelques questions. Que Dieu continue à te bénir et à t'inspirer chaque jour. Bah, vous aussi. Et toi aussi, cher auditeur. Alors après tous ces riches partages autour du fait donc, d'être une bénédiction pour les autres en écoutant la voix et l'appel de notre Seigneur, je vous invite à le remercier à travers la prière. Et merci à Erika de nous conduire dans ce moment. D'accord. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Papa du ciel, je voudrais te remercier pour ce temps. Je voudrais te remercier pour chaque personne qui écoute ce message. Et Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu nous as fait des promesses dans cette parole que tu nous as donnée. Et ces promesses, on veut s'en saisir et on veut croire que tu es là, que tu nous parles, que tu nous inspires, que tu nous donnes d'être de simples instruments entre tes mains. Et Seigneur, que nous puissions ainsi te servir et te glorifier. Amen. 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 Alors, en ce début d'année 2023, ça y est, on y est, il est de coutume pour certaines personnes de prendre de bonnes résolutions. Alors, pour ma part, n'étant pas très rigoureuse de ce côté-là, j'avais plutôt vous proposé un défi à relever cette semaine. Mais je souhaite de tout cœur que nous puissions garder ce concept à l'esprit tout au long de l'année. Voilà. C'est bien. Ah, c'est bien. On va voir. Attendez de voir ce que vous proposez. Attendez là. Alors, nous sommes en janvier. Il fait froid, il fait sombre. Alors, que diriez-vous d'être une lumière pour quelqu'un, hein, sur ce thème de la bénédiction. Une belle lumière qui réchauffe. Oui, pour l'éclairer, l'illuminer, le réchauffer avec une simple petite action qu'il fera se sentir important à vos yeux. Ok, très bien, ça nous tente, mais de quelle manière on sera une lumière? Alors, je vais vous le dire. Non, je vous lance le défi donc, d'identifier cette semaine une personne connue ou inconnue, qui sait, pour laquelle vous pourriez être donc, cette fameuse lumière, et de prier notre Seigneur pour qu'il vous guide dans l'action à entreprendre. Okay. Alors, voici quelques exemples, petits exemples, excusez-moi, j'arrive, de personnes à qui j'ai parlé de ce défi et qui ont déjà expérimenté certaines choses. Alors, ça pourrait, par exemple, apporter un thé chaud ou une couverture à une personne sans abri, peut-être que vous croisez sur votre route pour aller au travail, à l'école. C'est vrai tous les jours, on en voit quand même régulièrement, en tout cas pour ma part, ça m'est déjà souvent arrivé. Sourire à quelqu'un qui vous semble un peu triste, pas en forme, dans les transports publics, dans la rue, au travail, peu importe. Envoyer un petit mot d'encouragement à travers une photo, une carte à vos proches. On peut encore envoyer des cartes, surtout en début d'année. Ça existe, la poste est toujours là. On oublie, mais ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte, un petit mot aussi, autre que par les réseaux ou le téléphone. Donc voilà, donc pour aider quelqu'un qui vit un moment difficile. Et puis je suis sûre que vous serez inspirés, vous aurez plein de créativité. Donc n'hésitez pas
à mettre cette action en route et à prier le Seigneur pour qu'il vous guide aussi, qu'il vous aide, qu'il vous inspire. Voilà. Est-ce que vous êtes partantes, les filles ? Oui. Et j'espère que toi aussi, cher auditeur, chère auditrice, que tu pourras relever ce défi cette semaine. Voilà. Ouais. Merci pour cette proposition, Christelle, c'est chouette. Et Mehdi, Mildred, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Hein. Eh oui, malheureusement, on doit déjà se quitter. Mais attends. Avant de nous quitter, eh bien, nous voudrions, ensemble, déposer sur toi, auditeur, une bénédiction. Nous aussi te transmettre les paroles d'un chant qui sont basées sur une bénédiction contenue dans l'Ancien Testament. Alors, bien que tu puisses recevoir aussi cette bénédiction ce début d'année. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu et que nous aussi, nous puissions être de bénédiction pour d'autres personnes. J'ai beaucoup apprécié de passer cette heure avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir apporté vos idées pour enrichir ce culte espoir. Et Erika, je te remercie aussi d'avoir libéré de la place dans ton agenda. Oh, avec grand plaisir. Et je sais que tu reviens, n'est-ce pas, tout bientôt. Et je te remercie d'ores et déjà pour cela. Toi, cher ami auditeur, chère amie auditrice, merci pour ta compagnie. Sois béni et profite bien de cette journée qui est là pour toi. N'hésite pas à partager cette émission avec qui tu veux, avec tes amis, tes voisins, avec tout le monde. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt.